J'ai dû provoquer des passions. Et des gens ont provoqué ma passion. Ça n'est pas à voix unique. La passion, c'est fantastique. Chaque chose a son envers. On dit toujours l'envers de la médaille. Mais on ne vit que des contraires. Le jour, la nuit, le froid, le chaud. On sait qu'on est bien quand on a pas mal. Je ne vois que les contraires autour de moi. L'amour, l'amour, l'amour dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie ou souvent une ruine. L'amour, l'amour, c'est parfois même aussi que le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre. À l'amour, à l'amour, à l'amour dont on parle toujours. À l'amour, à l'amour, c'est plus d'une fois un panier vide au bras sans tout lui dire. À l'amour, l'amour c'est quand tu m'aimes, l'amour c'est quand je t'aime, sans te le dire, sans me le dire. La vie est difficile, la vie est douloureuse, c'est un mélange de désir, d'aspiration, de joie, des prises de conscience, non seulement de soi-même, mais des autres. I'm not afraid to die.
D'être économe de moi-même. Même si je risque ma vie, je veux le faire. Jusqu'au moment où ça ne sera pas insupportable. Thank you.
sous le signe de la productivité. Mais la possibilité de ne rien faire est importante pour l'harmonie de l'esprit et du corps. Rien ne pourrait naître, il me semble, s'il n'y avait pas ces moments où on vit d'une façon différente et où le temps s'écoule. Il faut résister, je crois, contre un sentiment de culpabilité. Et j'ai toujours lutté contre cette sensation. Ça me met en colère. Il n'y a pas de mauvais comédien. Il n'y a pas de mauvaise comédienne. Il y a des gens qui, tout d'un coup, se sont refermés à cause de la peur et qui finissent par n'exprimer que la surface des émotions. Pour pouvoir aller au fond des choses, il faut être accompagné de quelqu'un qui vous aime. Et alors là, tout d'un coup, la source jaillit. Précieuse, même lorsqu'on ne fait rien d'apparemment productif, d'apparemment spectaculaire, il est certain qu'en ce moment, ce temps
est plein de désirs de création et de travail. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. La vie. Il faut encore savoir la prendre, savoir presque s'en servir. Je pense que, à partir de choses qui nous ont été données, on peut faire de plus ou moins belles choses. Cela dépend non seulement de sa force, awake, mais cela dépend de son espoir aussi. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And
we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Indians scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Le grand choc, c'est vraiment au sortir de l'enfance de se rendre compte de la nature des relations humaines et que ça n'est pas aussi simple, aussi romantique, aussi facile, aussi aisé, et de voir tout d'un coup sa vie d'adulte devant soi. Il y a un goût de l'absolu mélangé à une terreur. Enfin, c'est ainsi que je l'ai ressenti. Et j'avais vraiment envie de mourir. Le succès, c'est terriblement fragile. C'est un instant. Cela permet à une comédienne ou à un comédien de continuer à exercer son art, ce qui est important. Mais ça n'est pas le but. Le but, c'est aller jusqu'au bout des choses, c'est atteindre un certain épanouissement. C'est un terme abstrait pour moi. Oh, so tender.
Magnifique, c'est que chaque être humain est unique. Chaque individu porte quelque chose en lui d'absolument parfait et irremplaçable. Je souhaitais être entendu, je souhaitais être regardé. Mais c'était pour échapper à la solitude. L'exhibitionnisme, c'est pas seulement vouloir être regardé par vanité, c'est vouloir être en compagnie. Je n'entre dans aucun combat, j'ai horreur des combats. Je crois que j'ai une qualité, c'est l'honnêteté. Je ne peux parler bien que de ce que je connais bien.
je vous parlais des cris qu'on a envie de pousser. Le cinéma, c'est magnifique, c'est une magie. Moi, je suis bouleversée quand je vois une caméra. Guerre qui pourrait arriver sur cette terre. Et c'est la guerre entre les sexes, mais ce serait la fin du monde, c'est pas possible.
La connaissance, on le sait, c'est toujours dangereux. C'est un puits sans fond. Une vie humaine ne suffit pas. Vous avez de la chance. C'est important. Quels sont les hommes qui vous impressionnent, maintenant ? Les hommes qui m'impressionnent ? Les hommes sereins, sensibles, les hommes compréhensifs. Tous les hommes.
Il faut vraiment, en amour comme en amitié, l'amitié d'ailleurs est une forme d'amour, il ne faut pas demander aux gens plus qu'ils ne peuvent vous donner. Parce que c'est les rendre malheureux et c'est s'exposer à des déceptions perpétuelles. J'aime vivre, j'ai envie de vivre, et même lorsque par moments je suis fatiguée de vivre, ça ne fait rien, je continue et j'ai envie de donner. Oh,
pas le seul être humain qui vit la solitude. Nous la vivons tous. Mais ça, tout le monde ne l'accepte pas. Y a-t-il une différence entre la solitude de l'adolescent et la solitude de l'adulte? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une différence. Je crois que je suis devenue adulte maintenant. Bien sûr qu'elle est différente. Mon principal ennemi. Alors, je suis toujours en bagarre. C'est quelquefois fructueux, c'est quelquefois pénible. Et il n'y a pas tellement longtemps que je me suis aperçue que j'étais mon principal ennemi. Ce mélange d'orgueil et d'humilité m'a joué très souvent des tours. Je croyais que je n'étais pas bien à ma place dans la société.
De ma voix, non. Je ne joue pas de moi-même. Pas du tout. Quand je fais quelque chose, je le fais avec un total abandon. J'ai envie de plaire, bien sûr. Mais je veux plaire sans malhonnêteté, sans coquetterie, sans... Non, pas telle que je suis. Je veux pas m'imposer aux autres, mais je voudrais devenir telle qu'ils me voudraient. Vous êtes pour tous les sentiments, mais vous êtes contre ceux qui sont mesquins. Absolument, oui. J'essaye d'y échapper. Ça n'a vraiment pas de sens d'avoir peur. Il faut vivre dans l'instant. Je veux dire que nous nous en apercevons, surtout à notre époque, le passé, l'avenir. On finit par vivre dans une confusion totale. Et l'instant étant tellement important, on n'a pas le temps de voir passer le temps.
J'ai jamais voulu être quelque chose. J'ai voulu exister. Certainement pour beaucoup de raisons, comme tous les adolescents, pour échapper à l'emprise familiale. Et puis pour prouver, justement, que j'avais raison. C'était vraiment entre moi et ma famille. Like you.